Some even like me, they even think I was unique. Now I'm free, and so I'll be. I wanna make it, and make it all. I wanna sing it, sing it my way. That's the way I am, that's all. Atypical. And it makes me feel so special. Atypical. I don't wanna change, I don't know, no, no. Atypical. Yeah, yeah. Atypical. Cause that's the way I am, that's all. Atypical. And it makes me feel so special. Atypical. I don't wanna be a real, no, no. Atypical. This is the price of liberty. I don't think twice to stand by me. I don't listen to anyone. I carry on. I have a reason. We all have the same heart, but we haven't the same love. We have the same eyes, not the same tears. We got the same mouth, not the same words. Atypical. Cause that's the way I am, that's all. Atypical. And it makes me feel so special. Atypical. I don't wanna change, I don't, no, no, no. Atypical. Yeah, yeah. Atypical. Cause that's the way I am, that's all. Atypical. And it makes me feel so special. Atypical. I don't wanna be in real. Eh bien oui, tout de suite avec nous au téléphone le chanteur Sylvie Campos. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Arc-en-Ciel. Alors cette petite musique atypicale, musique très ensoleillée, très très vivante, c'est normal, ça devient du coin où tu es né, tu viens de Arles dans le sud de la France. Ouais, exact, je viens d'Arles, la capitale de la Camargue. Voilà. Et donc, bien sûr, j'ai baigné dans tout ce bouillonnement culturel du flamenco gypsy. Oui. Les Gypsy Kings et les Chico, les Gypsy étant de la même ville que moi. Oui. Et donc voilà, je suis le premier gypsy en anglais qui a mêlé la guitare gitane avec des rythmes plus modernes pour arriver à un style qui est bien pop, bien électro et qui cartonne en ce moment dans les radios en France et dans des clubs en Amérique et j'en suis très fier. Et oui. Et alors c'est toi qui composes les morceaux, d'où les influences, on vient du côté gypsy, mais c'était une envie que tu as voulu mélanger ça dès le début ou d'où est-ce que ça vient? Oui, c'était une envie de faire complètement ma petite révolution personnelle. Ouais. Dans le monde du gypsy. Et puis je m'attendais pas à un tel résultat, mais c'est vrai que oui, je compose moi-même. D'accord. Et j'écris les paroles aussi, je produis moi-même. Et mais je pense que le résultat est pas mal puisque il y a vraiment une communauté de fans énorme à travers le monde qui commence à aimer ce que je fais, qui me dit chaque jour que ma musique leur fait du bien. D'accord. Et je pense que c'est ça ma plus belle récompense. Ouais. Alors justement, puisque tu dis que tu composes, tu t'es influencé des couleurs gypsy, ils ont écouté déjà ce morceau-là, Chico les Gypsy? Alors je sais pas s'ils ont écouté parce que moi j'habite en Allemagne maintenant, mais c'est vrai que j'ai pas trop de contacts. On fait chacun notre petit bout de chemin, mais je pense que s'ils écoutaient, je pense qu'ils seraient surpris du résultat. Ouais. Et ils seraient surpris de voir que ça avance, qu'on ne s'est pas arrêté à ça fait 30 ans avec Bamboléo et Joby Joba. Maintenant, on est dans quelque chose de complètement nouveau et surtout quelque chose de novateur. D'accord, bah oui, je pense, hein, pour connaître un petit peu Chico, il évolue, il aime bien avancer, et ces sonorités-là, ouais, je pense que ça peut lui plaire, à mon avis, oui, il doit être... S'il a écouté le morceau, ou alors s'il nous écoute, on lui fait un coucou, et je pense que voilà, ça peut le plaire, ça peut être une consonance qui aurait pu leur plaire, ouais. Bien sûr, oui, ouais, tout à fait. La guitare gypsy, elle se mêle très bien au rythme plus moderne, au rythme électro, au rythme un peu pop. Et puis le fait que ça soit chanté en anglais, ça ajoute quelque chose. Et c'est ça qui permet à ce style de cartonner en ce moment, quoi. Hein. Ouais. Alors justement, c'est pour toi l'anglais, ça aurait été une évidence parce que c'est la musique, elle est universelle, hein, toujours. Mais ramener ce côté couleur gypsy avec l'anglais, c'était une évidence direct tout de suite. T'as voulu vraiment alors mettre. Non, moi j'ai passé des années à chanter le gypsy en espagnol. Oui. Et c'est justement le fait
de vouloir être un radio populaire et un radio généraliste qui m'a donné le choix, qui m'a donné envie de chanter en anglais pour que le style soit beaucoup plus populaire. En espagnol c'est très beau, en français comme Kenji Girac c'est très beau, mais en anglais ça rajoute un esprit qui est pas le même, et c'est vrai qu'en anglais ça permet à tout le monde de comprendre le message, que vous soyez en Chine ou en Amérique ou en France, oui, ou à n'importe où dans le monde. Et c'est ça que je voulais, une musique qui rassemble tout le monde en même temps et qui fait qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de limites sociales, qu'il n'y a rien qui permet de diviser, quoi. C'est, ouais, une musique qui rassemble. Et en anglais encore plus. Et au début, ils se sont pas dit, c'est quoi ce martien là, à nous mettre ces paroles en anglais bizarre sur notre musique, et personne. Oui, je pense. C'est très compliqué de faire un geste comme ça, oui, en avant. C'est très compliqué, surtout quand ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans, 50 ans que la musique elle est chantée en espagnol. Oui. C'est pour ça que j'utilise le mot de révolution, parce que quand ça a démarré, ben, ça a démarré au quart de tour, et ça a démarré avec quelque chose de complètement nouveau. Il fallait s'habituer à cette sonorité. Maintenant, au bout de 4 singles, je pense que les gens me connaissent et savent que ben, ça reste en anglais et que c'est un nouveau style à la part entière. Oui. Alors, j'ai Nicolas qui est chroniqueur avec moi, qui a une petite question à te poser. Nicolas. Oui, alors bonjour. Pardon, vous dites ? Oui, bonjour. Joshua, comment, bonjour, vous avez fait pour... Là, je vois que vous aimez les chansons un peu qui bougent. Et comment vous avez fait pour, ouais, réagir, de faire des musiques comme cela pour vous ? Alors c'est simple, moi j'ai bon, d'abord je suis né dans ce bouillonnement culturel des Gypsy Kings, comme je vous disais, parce que je suis né en Arles, et puis j'ai chanté en espagnol pendant des années, mais au bout de temps j'ai eu... Aujourd'hui, on n'a pas de chance avec notre ligne. Je ne sais pas ce qu'elle nous fait. Alors, ce que je propose tout de suite, avant de retrouver Sylvie au téléphone, on va écouter un deuxième morceau. On va écouter tout de suite Lady sur Arc-en-Ciel. Et on se retrouve juste après avec Lady de Sylvie Campos. Got your smile, I'm seeing it and I'm so high. I'm ready for the party on the dance floor. Make me crazy, lady. Let's go get low. Don't you feel afraid? Couldn't see the light, lady. Let's go get low. Just enjoy the moment. We call one life to live. What's got your eyes? I sent you to paradise. I want so much of you right now. You and me, it's like a vision. Are you ready for the party? On the dance floor, make me crazy. Lady, let's forget it all. Don't you feel afraid? Avec nous, le morceau qu'on écoute, Sylvie Campos, qu'on a avec nous au téléphone, qu'on a récupéré. Alors, on va passer dans les tunnels, ça va être un petit peu plus différent le son, mais on va se retrouver. Alors justement, on parlait de ses influences. Alors là, quand on écoute Lady dès le départ, forcément, on peut pas dire que ça ressemble à du Gypsy. Là, c'est totalement différent. Ouais, c'est de l'électro, c'est de la pop.
c'est quelque chose de tout à fait nouveau et surtout une musique qui est destinée à être dansée. Oui. Donc le pari est réussi puisque ma musique passe dans des clubs aux États-Unis en ce moment même, dans plusieurs clubs. Et donc voilà, c'est une musique qui permet de partager, d'être heureux sur la musique, de la danser et de partager des moments de bonheur. Oui. Alors justement, tu disais qu'en ce moment tu étais en Allemagne, alors le public en Allemagne, il accueille comment ta musique ? Eh bien, le public, il accueille partout de la même façon. Ouais. Comme je disais avant, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gens. Et bon, il n'y a que la langue qui change, mais la musique, c'est un langage universel, donc l'accueil, il est partout le même, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en France, partout. Il y a le même engouement et puis surtout le même amour de cette musique et j'en suis très fier, très content. Bah nous aussi en tout cas, on est vraiment heureux de cette musique qui tourne et qui va continuer à tourner. Alors justement, ouais, par la suite, donc là l'album, combien de morceaux il y a actuellement de sorties? Pour l'instant il y en a 5. Oui. Donc ce sont des singles qui sont sortis au fur et à mesure, qui sont Lady, Atypical, Brighten You Up, Believe Me. Donc ouais, non, ça fait 4, mais il y en a un cinquième qui va sortir bientôt. D'accord. Et puis je projette de sortir un album courant 2018. Il est encore en négociation, je ne peux pas dire de date, ni de titre, etc. Oui. Mais ça va se faire. D'accord. Bah, dès que ça sort, faut que tu nous envoies. Parce que nous, on n'a pas tous les morceaux, faut nous les envoyer, hein, qu'on puisse mettre en diffusion sur Arc-en-Ciel. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a des petites dates de prévues prochainement en France ou ailleurs? Alors non, pour l'instant, je me suis appliqué à me faire connaître dans les médias français, donc la télé et la radio. J'ai pas de concert parce que je suis en train encore de peaufiner mon répertoire pour avoir assez de matériel pour pouvoir venir rencontrer mon public. Oui. Voilà, non, il n'y a pas de rendez-vous de concert, donc, mais bon, il y a toujours ces rendez-vous dans les médias. On m'entend un peu de partout. Je passe dans plus de 50 radios en France, ah oui, en Belgique et en Suisse. Et dans le monde entier aussi. Et puis bon, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai un site internet www.sevicampos.com et surtout les vidéos sur YouTube qu'il faut aller voir, commenter, liker, partager et surtout s'abonner à ma chaîne YouTube. D'accord, et donc il y a des clips vidéo qui ont été sortis alors ? Oui, il y a quelques clips qui sont sortis, notamment avec Lady et Brighten You Up. Ce ne sont pas des clips qui ont été faits professionnellement absolument et qui sont destinés à être vus comme des petits films, si j'ose dire, mais juste des accompagnements visuels qui permettent aux gens de pouvoir voir quelque chose pendant qu'ils écoutent la chanson. D'accord. Voilà. Eh bien, moi, ce que je propose pour terminer ensemble, c'est d'écouter le dernier morceau qu'on a de toi, qu'on nous a envoyé, Brighten You Up, forcément. D'accord. Allez, Brighten You Up, tout de suite sur Arc-en-Ciel avec Sevicampos. We'll be right back.
Allez, Sylvie Campos avec nous, toujours de l'autre côté. Et là, Brighten You Up. C'est un extrait donc des derniers morceaux qu'il a sortis, des 4 EP et le 5e qui va arriver. Eh bien, Sylvie, un grand, grand merci à toi d'avoir nous avoir accordé ce petit temps de l'Allemagne. Il fait beau en Allemagne en ce moment ? Non, il fait pas beau du tout. Et puis, on annonce se mettre beaucoup de neige ici et après-demain. Un froid qui va arriver qui apparemment va être incroyable. D'accord. Eh bien écoute, un grand grand merci à toi encore de ce temps passé ensemble. Et puis on te retrouve donc sur ton site Sylvie Campos, SEVYCAMPOS.com ou sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et bien d'autres. Bien sûr, partout. Voilà. Et puis ben, on compte sur toi. Envoie-nous les derniers morceaux qu'on mettra en diffusion. Et puis allez, pour amener un petit peu de soleil atypical pour finir cette interview. Un grand grand merci à toi et à très très bientôt. Merci, à bientôt, merci beaucoup. Merci encore, au revoir. Au revoir. That's all.